On a vraiment besoin de toi. Vraiment. C'est le bordel, je te jure, c'est là. De quoi? Ouais, l'escouade, elle s'est un petit peu éparpillée. Il y en a deux qui ont sauté. Dès que l'avion a commencé à voler. Alors le problème, c'est que nous, on voulait les suivre. Mais le truc, c'est que ils voulaient sauter à la ville. C'était fou. On saute pas à la ville, nous. On saute en campagne où il n'y a personne. J'ai aussi trompé un casque level 3. Alors le problème c'est que j'ai pas de gilet pare-balles. Du coup c'est un peu compliqué. Mais j'ai un sac, un casque level 3. Alors ça c'est, franchement ça c'est pratique, c'est le top. L'avantage de ces casques, c'est que je peux voir tout ce qui se passe. Et même si je me prends une balle dans la tête, même dans le visage, je risque rien. Bon, évidemment, faut pas non plus trop jouer avec les balles. Moins on en prend, mieux c'est. Mais bon, après voilà. Alors, c'est un casque à souder.
Ça me fait plaisir. Bah tiens, je te passe mon
sur un mec. Et tu sais pas ce qu'il fait le mec. Il construit un mur. Le mec, c'était un charpentier. Ou un maçon. Non, mais c'est n'importe quoi. Du coup, il m'a tué. Puis je rage quitte, forcément. Mais bon, c'est pas grave. Mais est-ce que sur Fortnite, t'as des armes qui servent à rien? Je sais pas. Dis-moi-le parce que je. Pourquoi pas un jour aller sur Fortnite? Un mode roleplay. Ouais, ça tente. Écoute, avec plaisir en tout cas. En tout cas. On va s'amuser avec cette poêle. Oh oui. Ouais, mais franchement, il reste un mystère. Un mystère. Cette boîte. Dans cette boîte, il y a un CD, mais je sais pas à quoi il sert. Genre, il y en a qui vont dans les maisons, qui rentrent, ils foutent des maisons, ils trouvent des Kalachnikov, des gilets pare-balles, des trucs de psychopathes, des trucs du futur, des trucs que tu savais même pas que ça existait. Moi, je rentre dans une maison, je trouve des CD et des poils. Voilà. Peut-être que le jeu s'adapte au niveau du skill du joueur. Je sais pas. En tout cas, c'est insultant. C'est prudemment. Et on va faire des haze, tu vois ce que je veux dire. Tu vois. On va faire top 1. Et les mecs sur la moto, quand on entend, je vais les sniper avec ma poêle. Ouais, un sniper, un vrai sniper. Ouais. J'espère que tu es prêt. On va pas tarder à y aller. Faut pas trop rester à cet endroit parce que. On est un petit peu à découvert ici. Donc on va bouger un peu. On va retrouver notre équipe. Très très non, très très important. Et ensuite, une fois qu'on aura trouvé l'équipe, on sera bien stuffé. On aura bien looté. On pourra se rapprocher éventuellement de la zone. Pour envisager un top 1. Mais bon, ça c'est dans nos rêves. Non, t'inquiète pas, on va y arriver, d'accord. Tu m'as dit que t'as déjà fait des.